Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Kongosa. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, pas vraiment toute petite, elle sera un peu longue, mais je vous prie de rester jusqu'au bout car vous serez surpris de ce que vous allez entendre et de ce que vous allez voir. Vous serez vraiment choqués. Mais avant, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et toi, si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Je vais vous laisser regarder une vidéo et on va se retrouver juste après pour la commenter. Ils ont joué un autre esprit, quoi. Ouais. Si c'est Yoro, ils avaient enterré la seule et se répète ici depuis son parti. C'est pas Yoro. J'espère que vous avez bien vu, que vous avez bien écouté et que vous avez fait la distinction des visages. C'est-à-dire que moi, je me disais que ces personnages, se disant des fans à vie, se disant des Chinois à vie, c'était limité à détruire complètement la tombe. Parce qu'ils ont complètement détruit la tombe. Ils ont arraché le nom de Didier Arafat qui était écrit sur la tombe, arraché la photo de Didier Arafat qui se trouvait sur la tombe et ils ont saccagé. Je me disais qu'ils se sont limités là. Ils ont déterré le corps. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont déboutonné. Ils ont décravaté. Ils ont vérifié ce qu'ils ont vérifié. Moi, je me disais qu'ils se sont arrêtés juste là et après, on fait des photos et des vidéos qu'ils ont balancées sur le net pour pouvoir faire parler d'eux et faire parler le monde entier. Mais non, si vous avez bien écouté la vidéo que je vous ai fait voir tout à l'heure et écouté tout à l'heure, vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils sont juste allés démembrer le corps. Ils ont démembré le corps de Didier Arafat. Soit disant que ce n'est pas Didier Arafat. Soit disant que c'est une poupée faite en scie. Et ils ont amené le corps de Didier Arafat je ne sais où. Ce qui me choque même dans la vidéo, ce qui me choque dans l'histoire, c'est de voir ces petits enfants qui se sont impliqués dans cette affaire. On a coutume à dire que l'éducation vient de l'école. Mais non, l'éducation ne vient pas de l'école. Nous allons à l'école pour compléter l'éducation que nous avons reçue à la maison. Vous voyez cet enfant d'à peine 9 ans, entre 8 et 9 ans, au plus 10 ans, se lever, dit qu'il est allé tirer le cercueil. Ils ont démembré, ils ont vérifié le menton. Ce n'était pas le menton de Didier Arafat. Ils réclament le vrai corps de Didier Arafat. Et les enfants sont en train de préparer la rentrée scolaire. Les enfants sont en train de parler de l'école en ce moment parce que l'école commence demain. Demain, c'est le premier jour de la rentrée. Voilà mon fils. Voilà mon enfant sur le net en train de dire qu'il est parti démembrer le corps de Didier Arafat. Voilà mon fils qui est en train de réclamer le corps de Didier Arafat. Si c'était moi, mon enfant. Si c'était mon enfant. Eh, tu allais partager données pour moi. Tu allais me dire quand est-ce qu'on t'a accouché et tu connaissais Arafat jusqu'à tu connaissais son menton. Foutaise n'est pas foutaise. Foutaise n'est pas foutaise. En plus de ça, ils ont le courage de se placer devant leur téléphone et d'avouer qu'ils ont démembré le corps de Didier Arafat. Qu'ils ont souillé Didier Arafat jusqu'à la mort. Qu'ils ont boycotté Didier Arafat jusqu'à sa mort. Ils n'ont même plus honte. Ils n'ont même plus peur de ce qu'on peut leur faire. Si c'était mes parents, mon père va te voir dans ce genre de choses. Hey, tu vas partager ce que tu vas donner pour lui. Je dis, tu vas dire ce que tu étais allé chercher là-bas. Je vous mettrai encore une vidéo tout à l'heure de deux éléments. Toujours des jeunes. Et je vais encore insister sur l'école. Demain, c'est le premier jour de la rentrée scolaire. Tu n'étais pas préparé pour aller à l'école. Hein? Toi, ce qui t'intéresse à l'heure-là, c'est de ce qu'on a fait au corps de Didier Arafat. C'est de comment on a fabriqué une poupée. On a mis dans le cercueil. C'est de comment vous avez vu le pain bleu au terrain. Maintenant au cimetière, c'était le pain jaune. C'est comment au-dessus du cercueil, il y avait une grosse croix. Arrivé au cimetière, il y avait une petite croix. Vous n'avez pas pitié de vos parents. Hein? Vous n'avez pas pitié de vos propres corps. Hein? Vous n'avez même pas pitié de vous. Vous avez souillé Arafat de son vivant. Vous l'avez souillé
après sa mort. Même jusqu'à dans sa tombe, vous l'avez poursuivi. Pourtant, vous dites que vous êtes ses fans. Cet acte que vous avez posé hier a fait le tour du monde entier. Jusqu'à Blanc s'est levé pour dire qu'on doit nous recoloniser. Non. Cela ne peut pas passer dans mes oreilles. Qu'on doit encore se lever pour venir nous recoloniser. Ça veut dire qu'on est encore à l'époque primitive. Ça veut dire que nous, on ne réfléchit même plus. Vous voyez, vous avez vu où nous en sommes maintenant. Vous avez vu ce que vous avez provoqué. Jusqu'en Blanc va se lever encore pour venir nous mater, comme à l'époque de Jean Colomb. On dit de Jean Colomb, bien de temps Colomb. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sur ces mots que je vais vous quitter. Parce que j'ai dit que je ne veux pas qu'elle soit trop longue la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et surtout que le Seigneur vous protège. Ouais. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mais les chemins sont là. Les chemins en vie. Non, vous dites en même temps, vous avez mis quoi d'Arafat là? Nous, on va clair dedans. Ouais. Et puis, nous, on va clair dedans. Et bien, ça va tout en grain. Ouais. Vous savez, ça vous l'avez mis. C'est lui qui a eu lui, nous, on a déterré. Quoi que nous, on a vu là, c'est pas Arafat. C'est pas lui. Non, vous dites, c'est pas Arafat. C'est pas lui. Où vous avez mis son corps là? Nous, on voit dedans. Et vous avez battu. Où vous avez mis quoi d'Arafat? Nous, on voit. On a ben, ce que nous avons vu là-bas, c'est pas Arafat. On a tous les preuves. Ce que nous avons vu là-bas, c'est pas Arafat que nous avons vu. Ouais. C'est pas Arafat que nous avons vu là-bas. On a tous les preuves. Si vous ne croyez pas la Zénon, venez à l'huile, on vous montre c'est l'enterrer. Comme un incinéré en vente, on peut rentrer trois cordiens. Trois cordiens. C'est le 1 et un secret. Peut-être que c'est comme ça. Arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous là, vous êtes devant là, arrêtez de vous foutre de nous, hein. Vous allez venir enterrer poupée devant nous, quoi, enfin, quoi. Et puis vous avez tué deux Chinois, quoi. Vous là, comment là, partout, on vous voit là, hein. Nénissant, tuez-nous en même temps, avec policier en Côte d'Ivoire ici. Vous avez tué deux Chinois devant nous. Mais garde à vous quoi, pour pas vous aller rouler dans Côte d'Ivoire ça là encore. Parce que partout non, vous voit là, hein. Nénissant, on est à vous. On est à vous même. Eh bien, c'est pas fini. Hein. Moi vous parle, vous ne me connaissez pas. Mais moi vous parle. Si vous voulez connaître la vérité, venez. On a toutes les preuves. C'est pas lui qui est dans le cercueil, on a toutes les preuves. C'est pas lui. Maintenant, on a veillé 10 ans. À 6 heures, de 10 à 6 heures. Comment l'on peut battre veille de 10 à 6 heures? Tu vas venir se foutre de gueule des gens. Ça, c'est pas bon. C'est même pas bon, même. Vous avez tué deux Chinois. Et puis vous avez placé mon grand frère. Vous avez passé près de mon grand frère. Vous avez tué deux Chinois. C'est même pas deux Chinois. Il a dit, on est à vous. On est à vous. On est à vous, hein. On est à vous, là. On est à vous, ouais, eux. Parce que eux. Mais partout, on est à voir dans Côte d'Ivoire, ça, là. Nous, on est collés. Parce qu'à la fois que nous, on a vu là-bas, c'est pas à la fois, c'est poupée qu'elle a, là. C'est poupée. Non, vous dites à moi que c'est poupée qu'elle a, là. Ouais. C'est pas à la fois qu'elle a. C'est pas notre tête que nous connaissons, c'est pas lui qu'elle a, là. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous foutez de nous, c'est pas bon. Arrêtez ça. Comment dès un moment, tout va combien. Si c'est pas nous, si c'est pas les pafouettes, arrêtez ça. Arrêtez de vous foutre de nous même. J'ai dit arrêtez ça, c'est pas bon, arrêtez. C'est coupé, c'est pas bon. Ouais, arrêtez. En tout cas, vous avez mis le corps de mort, la faites sortir. Parce que non, on est vous. Partout où vous croisez là, non, on est vous même, à moi même. Peut-être non. Vous ne voulez pas quand vous poussez, vous allez tuer tous les Chinois. Ben nous, on est les Chinois à vie. Nous, on ne meurt jamais. On dit que les gens ne meurent pas. Vous vous êtes caché comme ça là. Allez-y, t'es coupé comme ça. Ben non, vous vous foutez de l'homme. On a déjà dit que c'est un mannequin qui est dans ce cas-là. C'est pas Yorin qui est dans ce cas-là. C'est un mannequin qui est dans ce cas-là. Ouais. Je ne pouvais pas faire direct là-bas. Parce que. On dit qu'on peut en filmer. Sinon, là. Allez fumer, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on parle. Comment des un moment,
Hey, arrêtez ça. Viens voir maintenant. La veuve, sa veuve, elle reste son corps, non? Ils l'ont poussé. Et puis ils ont fermé, non? Et puis elle a été touchée. Tout le monde aussi, ils voulaient regarder, ils l'ont poussé. Ja, c'est vrai. Mannequin. Hey, viens à 6 heures. Vous venez à 6 heures pour venir l'enterrer. Pour faire ça en plan, c'est fort, ouais. Pour nous montrer que non, ce que vous avez déposé là-bas, là, c'est mensonge. Mais là, c'est Dieu qui vous voit. C'est Dieu qui vous voit, ouais. Vous avez tué le Chinois. Et nous, on est là, nous, on ne peut jamais le laisser. Il serait dans notre mémoire jusqu'à mort. Chinois à vie. Ouais, non, vous dit ça. Mais vous avez mis votre corps là, vous avez mis son corps là, vous m'a fait sortir parce que là, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de nous, non, on est au deux plateaux. Voilà. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez de vous foutre de nous. Parce que le corps que nous avons vu là, c'est poupée, nous avons vu, c'est pas Arafat. Ouais. C'est même pas Arafat du tout, même. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous allez venir matin, compagnie, vous pouvez l'enterrer rapidement. Et puis vous, les gouvernements là, même là, hey, respectez l'homme, hein. Gouvernement, monsieur, fou de nous, respectez l'homme. L'homme que nous avons vu là, c'est poupée, c'est pas Arafat. Ouais. C'est pas Arafat que nous avons vu. Faut pas vous mentir, même. C'est même pas Arafat que nous avons vu, même. Les bad. Arrêtez de nous mentir, même. Hein? Arrêtez votre bêtise là. En tout cas, vous avez mis son col, la fête sortit son col là, nous on voit. Je dis. Nous, on veut voir son corps là pour voir. On sait qu'Arafat est parti, mais là, corps là, on a enterré ça devant nous. Ouais. Enterré ça devant nous, on voit. Pour croire. Ben, c'est que nous, on a vu à Willy là. C'est pas Arafat qui est là. Qui eh? C'est pas Arafat qui est dedans. Qu'ils ont fait hier là, c'est pour vous. C'est pas Arafat qui est dedans. Mais vous parle. Va demander. Ouais, il souffre quelque chose là. Va demander. C'est qu'on fait ça. Va t'a demander. Faut pas t'écrire encore. Hein. Sinon là, t'as des mille problèmes. Voilà. Pour ce qui est ici là. Moi, je dis ce que moi, il est dit. Ouais. Vous l'avez tué. Et puis vous allez nous flasher un peu. Encore au vent. Vu que vous avez tué, vous les gars morts là, vous avez tué deux personnes hein, devant nous courant. Pomper, pomper les lacrymogènes, tout ça là, ou bien, vous nous fatiguez, vanner, vanner enfin des gens. Ou bien, vous voulez vanner les enfants des gens. 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 Tuer les enfants des gens. Ou bien. Et puis ça là même. C'est ça non. On cache pas. On ne cache pas. Si vous partez manger là, parlez. Vous avez du mal de franc-maçon, coin, coin. Vous avez lancé les kiaï. Non, ben, que c'est un musulman, non, ben. Et puis vous venez lancer les papos que vous êtes. C'est notre yoro. Non, Arafat, non, chinois que vous. Il est mort. Oh putain, c'est pas lui qui est dans ce cœur là. Ils ont mis mannequin. Mannequin, écoutez bien, mannequin. C'est pas notre vie. Elle les a bien, c'est lui qui est dans ce cœur là. On a déshabillé, on a déshabillé. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.